Salut, c'est MegaLiver16. On se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière puisqu'aujourd'hui je vais tester mon Game Capture HD2 qui va me permettre de faire des vidéos de meilleure qualité qu'avec ma tablette précédemment, et je ressors pour se faire un vieux jeu de combat Marvel vs Capcom 3. Je vais tout de suite sélectionner une équipe de Vengeurs avec Captain America, mon super-héros préféré. Ensuite Iron Man et Thor. On aura une belle équipe d'Avengers. On va leur mettre en face un bon petit Wolverine. Ensuite Spider-Man. Et pour finir, un Hulk. Ça fait toujours du bien. On va se faire un petit entraînement là, puisqu'on va voir ce que ça donne avec donc une petite capture vidéo, parce que c'est pas en termes de gameplay que ça va être exceptionnel. Je me rappelle déjà comment on y joue vraiment, même si c'est quand même du Capcom, donc on a toujours les trois quarts de cercle, etc. Allez, un petit lancer de bouclier déjà. Agressif, très agressif le Wolverine déjà. On laisse la place à Thor, qui malheureusement fait son éclair dans le vide, et Wolverine en profite pour faire un sacré combo. Iron Man qui arrive. Mais ce serait pas mal qu'on arrive à passer un petit rayon. Voilà, ça c'est bon ça. C'est plus bizarrement bien des Wolverine, et ça c'était pas très vite. Mais on va essayer de sortir le combo. Captain America qui revient sur le devant de la scène. Merde, j'arrive pas à sortir le lancer de bouclier. Vas-y, vas-y. Aïe, ça va faire mal. Ça va faire très mal. Des griffes, des griffes. Voilà, le combo à 3 Vengeurs sur lequel on va arrêter cette petite session. Pour finir cette petite vidéo particulière, je vais faire aussi un autre jeu de combat que j'ai, Dead or Alive 5, auquel j'ai pas joué également depuis longtemps. Et je vais prendre Elena dans un match de duo. Elena qui est mon personnage préféré dans cette série. Donc Elena, voilà le choix du costume. On va prendre comme partenaire, bien, on pourrait prendre Christy, qui était, je crois, dans l'histoire du jeu, sa femme à tout faire à une époque. Et donc on va lancer une petite partie en match de duo. Alors là, c'est vrai que pour cette vidéo, je teste un petit peu le Game Capture HD2. Je parle pas très fort parce que il est tard. Je pourrais refaire des essais, en particulier sur le jeu Tour de France, avec la voix un petit peu plus normale. Et c'est parti. On affronte Zhang Li et Elena. C'est dommage, un double. On va essayer de faire une prise. On ne laisse pas le temps. Et on a changé de personnage. Ah, une prise à deux, ça c'est sympa. Attention, pas de garde. Non. Ah, on s'est fait mal là. Voici la victoire pour finir cette petite vidéo. À plus tard.